n'étiez pas avec nous au début de l'émission, on va vous montrer ce qui s'est passé à Munich ce soir, le Bayern et le Real. Avec plaisir, le Real qui s'est imposé 2-1, et pourtant c'était le Bayern qui avait marqué le premier à la 28e minute. Kimmich dans un angle fermé ou pas par Navas. L'angle est bien fermé, comment pas. Marcelo. But des deux latéraux. Hein. Exact. Latéral droit, latéral gauche. Latéraux à l'honneur. Il a, là, c'est bon, on n'a pas dit, mais il a joué une touche à son CIO pour courir sans la balle. Et après, comment il réajuste. T'as vu comment il laisse passer la balle devant lui. Quand il la laisse passer pour faire tic. Ça vous embête pas que je travaille, Omar? C'était parfait. Omar qui a bu son petit maté là, pendant la pause. Voilà donc cette victoire de Real Madrid. Hier soir, c'était un match de fou en Angleterre, à Anfield, entre Liverpool, bien sûr, et l'AS Roma. Pour le plaisir, on va revenir sur les meilleurs moments ensemble, aux commentaires Julien Brun et Bruno Chéroux. Lorenzi pour ce corner, la tête de Van Dijk. C'est récupéré, Kolarov, la frappe de loin du gauche, on la connaît. La barre pour sauver, et l'accélération pour Sadio Mané. L'aile de pigeon pour s'emmener la balle. Et il ne trouve pas le cas. Avec Firmino, de nouveau à l'attaque les Reds. Face à Manolas, il l'a mis à terre. Firmino en retrait, avec Mané, le deuxième raté en une minute. Mané, Firmino, Salah, le 1-2 avec l'adversaire. Et pas de faute. Alors ça joue, alors ça attaque, parce que c'est Liverpool, que c'est Salah servi par Firmino. Salah pour tenter. Oh, que c'est beau! Oh, l'amour de but par Mo Salah. Quelle saison pour cet homme-là! Il n'en finit plus de marquer, il n'en finit plus de briller, il n'en finit plus d'être un distributeur de bonheur pour ses supporters. Anfield dans un grand soir, Mo Salah également. C'est lui qui frappe, la tête de Lovren. La barre pour sauver Alisson. Jusqu'à la fin de cette première période. Pousser et se projeter, ils savent faire. Les joueurs de Liverpool, Wijnaldum. Nouveau là, il peut le servir. Mohamed Salah le doublé ou pas? Mohamed Salah par-dessus. Mohamed Salah, le dieu vivant d'Anfield désormais. Un match à 11 contre 11, mais avec Liverpool et son public qui se trouve en supériorité numérique. Cette fin de première période est énorme et Salah est au-dessus du lot, 2-0. Mohamed Salah, il est seul dans la surface et cet homme est dangereux, tout comme les Sadio Mané. Quand il ne marque pas, il passe Salah. Mané à la conclusion, 3-0 après 10 minutes en seconde période. Salah. Mo Salah, ça passe, l'Égyptien encore. Mais ce garçon-là, où peut-il s'arrêter? Parce que certes, c'est Firmino qui marque, mais c'est Salah qui fait tout. Deux buts, deux passes décisives, 4-0 au bout d'une heure de jeu. Il y a la planète Terre, il y a la planète Salah. Hop, il est venu, et imaginez. Le corner de Milner, encore une tête, et elle est à nouveau dedans. Firmino pour le doubler aussi. Cette triplette ne s'arrête jamais de marquer. C'est la meilleure attaque de la Ligue des Champions. Firmino, en marchant, a réussi à scorer. Doublé pour lui aussi. 5-0. Ça pique tellement fort pour les amateurs, pour les tifosi de la Roma. Il est arrivé lancé. Patrick Schick. Trottmann. Vers Dzeko. Dzeko toujours. Lui aussi s'est marqué dans les matchs. Il marque systématiquement en ce moment en Ligue des Champions. Le but inscrit au Camp Nou, ça avait été celui de l'espoir finalement pour la Roma. Est-ce que ce sera la même chose? C'est pas 4-1, c'est 5-1, mais c'est quand même un but à l'extérieur pour la Roma. Regardez comment il est fou de rage, Jürgen Klopp, face à l'attentisme de sa défense. Anfield qui va peut-être se réveiller, parce que Wijnaldum avait là l'occasion d'inscrire le sixième but. Perotti. Pas de hors-jeu, le centre de Strootman, la reprise de Nainggolan, la main, le pénalty. Ce match n'est pas terminé, loin de la 85e minute, le pénalty pour la Roma consécutive.
5-1, c'est un bon, très bon résultat pour Liverpool. 5-2, ça change quand même beaucoup les choses. Perotti, superbe. Nainggolan, est-ce qu'il va pouvoir tenter sa chance? Il avait peut-être une ouverture. Là, c'est Dzeko qui tente. On l'adore, c'est au-dessus de tellement de choses. Un spectacle merveilleux à nouveau. Strike. So he scored already a few like this. It makes it even more special. What a player. Good to have him. La pression sur son adversaire, même s'ils ont subi un peu en début de match. Mais devant, c'est ils ont une puissance de feu qui est hallucinante. Salah qui fait un match fabuleux, bien sûr, vous l'avez vu. La question que tout le monde se pose maintenant, c'est est-ce qu'il peut gagner le Ballon d'Or? Et tout simplement, Marcel, est-ce qu'il est plus fort que Messi? Là, ça va être dur. Non, je le prends avec des pincettes. Quand il a la fièvre, il dit des choses qu'il ne contrôle pas. Il a un vrai potentiel pour nous faire rêver dans les prochaines années quand Messi et Ronaldo seront un ton en dessous. Certainement. Oui. Non, mais il peut gagner, mais bien sûr que si. Si en Coupe du Monde, il devient. Non. Mettons, pourquoi? Ça ne sera certainement pas la Coupe du Monde. Pourquoi? Ça sera certainement cette compétition qui est la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que dans cette Ligue des Champions, il a, en ce moment, il a le feu, il a le. Comment te dire? Il est énorme, il est facile, il est face au Barça, face à City, face à... Il est encore, on l'a encore vu, il a encore réalisé des gestes, il a toute la panoplie. En tous les cas, il s'en rapproche. Il est dans une... Non, il s'en rapproche, sur une année de Coupe du Monde, alors, il faut que les Brésiliens fassent une finale et que tu aies un Neymar ou voir un Firmino, parce que Firmino, il est dans cette équipe. Ah, Firmino, tu peux pas le donner à la finale de la Coupe du Monde. Il est déjà éliminé des compétitions européennes. Mais c'est vrai que le pharaon, il est énorme, il est exceptionnel. Moi, je dirais tout simplement, s'il gagne la Coupe d'Europe, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ce ne sont certainement pas les meilleures saisons de Cristiano et de Messi. C'est tout. Il est dans une forme étincelante en ce moment, Jean-Pierre, et on voit sa façon de finir, de marquer des buts. Ah ouais. Il a une telle confiance devant le but, quelque chose que vous avez connu, évidemment, pendant votre carrière. Il y a des moments comme ça où on pense qu'on va marquer à chaque fois. Exactement. Tout ce qu'il tente, il réussit. Il fait le geste juste à chaque fois. Et non seulement il marque, mais il fait marquer. Donc c'est pas seulement un égoïste. C'est quelqu'un qui fait marquer. Et puis en plus, il y a la classe de pas manifester sa joie sur le but. Donc rien à dire. Il fait des passes, Robert, effectivement, pour vous faire plaisir. Bah, disons qu'il sait tout faire. Mais oui, moi, je trouve il est impressionnant. Pas le fait de marquer des très beaux buts, mais c'est qu'il va très vite. Il fait les bons appels. Ce qui est important, c'est sur le deuxième. Il a, en une accélération, il a mis son défenseur dans le vent. C'est ce qui lui a permis d'être en face à face avec le gardien. Et puis après, quand on est dans une réussite comme celle-ci, quand on réussit tout, on marque. On marque des buts. Et lui, aujourd'hui, il est un peu à l'image de Liverpool. Liverpool va bien. Et lui, c'est un petit peu la locomotive de cette équipe. Il devient en tout cas avec ses buts hier soir le meilleur buteur lors d'une saison, le meilleur buteur africain dans une saison de Ligue des Champions. Il passe devant Samuel. Yann Roche aussi, hein. Et il s'approche à tous les records cette saison. Yann Roche. Et par rapport à la Coupe du Monde, l'Égypte est dans un groupe avec la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Possible pour l'Égypte de sortir de ce groupe et donc peut-être pour Salah encore de briller. Ne sait-on jamais. Salah en tout cas a été brillant, Liverpool aussi. 5-2, Liverpool un pied en finale de cette Ligue des Champions. Et je vois, Marcel, que ça vous fait plaisir de vous revoir les Anglais en haut de la pôle européen. Ça vous fait plaisir. Bon, ouais.